Derrière la réalité quotidienne, il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Le physicien Brian Greene nous emmène dans un voyage qui bouscule les lois de l'expérience humaine. Pourquoi ne voit-on jamais les événements se dérouler à l'envers? Selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs, au Big Bang, ou au cœur même de la matière. Je vais prendre la même chose que lui. Ici, il se pourrait que notre univers soit une réalité parallèle parmi d'autres. Que le monde en trois dimensions ne soit qu'une illusion et qu'il n'y ait pas de distinction entre passé, présent et futur. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur quelque chose de si familier? Si ça nous ennuie, évidemment. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une perspective révolutionnaire qui ouvre les portes à une multitude de possibles. Et si on supprimait toutes ces choses? Ce qui reste, c'est de l'espace vide. Mais ce qui paraît vide est en fait le siège d'une activité frénétique. Qu'est-ce que l'espace? C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Ces ingrédients insaisissables détiendraient-ils la clé du destin de l'univers? Aujourd'hui, dans la magie du cosmos, qu'est-ce que l'espace? Pour nous, le monde est rempli de diverses choses. Des bâtiments, des voitures, des bus, des gens. C'est particulièrement frappant dans une grande ville comme New York. Pourtant, autour de ces choses qui constituent notre monde quotidien, il y a quelque chose de tout aussi important, mais de bien plus mystérieux. Il y a l'espace dans lequel toutes ces choses existent. Pour comprendre de quoi je parle, arrêtons-nous un instant et imaginons. Et si on supprimait toutes ces choses? Absolument toutes. Les gens, les voitures et les bâtiments. Et pas seulement ce qui se trouve sur Terre, mais la Terre elle-même. Si on supprimait toutes les planètes, les étoiles et les galaxies, pas juste les objets les plus gros, mais même les plus minuscules, jusqu'aux derniers atomes de gaz et de poussière, si on enlevait tout ça, que resterait-il? La plupart des gens répondraient « rien ». Et ils auraient raison. Étrangement, ils auraient aussi tort. Ce qui reste, c'est de l'espace vide. Et il se trouve que l'espace vide n'est pas rien. C'est quelque chose qui possède des caractéristiques aussi réelles que tous les objets de notre vie quotidienne. En fait, l'espace est si réel qu'il peut se courber. Il peut se tordre. Et il peut onduler. L'espace vide est si réel qu'il contribue à former tout ce qui nous entoure et qu'il constitue le tissu même du cosmos. On ne peut pas comprendre le monde sans comprendre l'espace, parce que le monde, c'est l'espace avec des choses dedans. On a rarement conscience de l'espace. Mais les poissons n'ont sans doute pas conscience de l'eau alors qu'ils vivent dedans. L'espace n'est pas rien. Il s'y passe en fait beaucoup de choses. En général, quand on pense à l'espace, on pense à l'espace intersidéral, un endroit très éloigné de nous. Mais l'espace est en fait partout.
On peut dire que c'est ce qu'il y a de plus abondant dans l'univers. Même les objets les plus minuscules, comme les atomes, les ingrédients élémentaires dont nous sommes constitués, ainsi que tout ce qui nous entoure, même eux sont presque entièrement faits d'espace vide. En fait, si on supprimait tout l'espace à l'intérieur de tous les atomes qui forment la pierre, le verre et l'acier de l'Empire State Building, il ne resterait qu'un petit machin, pas plus gros qu'un grain de riz, mais pesant des centaines de millions de kilos. Le reste est simplement de l'espace vide. Mais qu'est-ce que l'espace exactement ? Je peux vous montrer une image de l'Espagne, ou de Napoléon, ou de mon oncle Harold. Mais l'espace ressemble à ça. Rien. Alors, comment peut-on comprendre quelque chose qui ressemble à rien ? Pourquoi y a-t-il l'espace et non l'absence d'espace ? Pourquoi l'espace est-il tridimensionnel ? Pourquoi est-il grand ? On a de la place pour bouger. Pourquoi n'est-il pas minuscule ? Il n'y a pas de consensus là-dessus. Qu'est-ce que l'espace ? On ne sait toujours pas. C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Heureusement, nous ne sommes pas complètement dans le noir. Nous recueillons des indices sur l'espace depuis des siècles. L'un des premiers nous est venu en pensant à la façon dont les objets se déplacent. Pour comprendre, regardez cette patineuse. Lorsqu'elle fait le tour de la patinoire, elle se déplace par rapport à tout ce qui l'entoure, la glace par exemple. Et quand elle fait une pirouette, elle peut non seulement voir qu'elle tourne, mais aussi le sentir. Parce qu'en tournant, elle sent que ses bras sont entraînés vers l'extérieur. Mais maintenant, imaginons qu'on puisse supprimer tout ce qui l'entoure. De la patinoire jusqu'aux galaxies les plus lointaines, de sorte qu'il ne reste plus qu'elle, pirouettant dans un espace totalement vide. Si elle continue à sentir que ses bras sont entraînés vers l'extérieur, elle saura qu'elle tourne. Mais si l'espace vide n'est rien, par rapport à quoi tourne-t-elle ? Imaginez que vous soyez cette patineuse. Quand vous regardez autour de vous, vous ne voyez rien. Juste une obscurité uniforme et immobile. Et pourtant, vos bras partent vers l'extérieur. Donc vous vous dites, par rapport à quoi est-ce que je tourne ? Y a-t-il quelque chose autour de moi que je ne vois pas ? Pour tenter de répondre à des questions comme celle-ci, les scientifiques ont élaboré une nouvelle conception de l'espace. L'idée clé était de bâtir quelque chose à partir de rien. Quand on va au théâtre, on regarde les acteurs, les décors, l'intrigue. But I protest, I love thee. Well, then, God forgive me. What offense, sweet Beatrice. Mais il y a quelque chose d'important qui n'est pas mentionné dans la pièce. Quelque chose qu'on ne remarque presque jamais. La scène. C'est un élément absolument essentiel du spectacle. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne lui accordons aucune attention. Mais Isaac Newton, lui, l'a fait. Voici comment le père de la science moderne s'est représenté l'espace, comme une scène vide. Pour Newton, l'espace était le cadre de tout ce qui se passe dans le cosmos. L'arène dans laquelle se joue le spectacle de l'univers. Et la scène de Newton était passive, absolue, éternelle et immuable. L'action ne pouvait pas influer sur la scène et la scène ne pouvait pas influer sur l'action. En imaginant l'espace de cette façon, Newton est parvenu à décrire le monde comme nul ne l'avait jamais fait avant lui. Sa scène immuable lui a permis de comprendre presque tous les mouvements que nous pouvons observer autour de nous et de dégager des lois capables de tout prédire, depuis la manière dont une pomme tombe d'un arbre, jusqu'au trajet que la Terre effectue autour du Soleil.
ces lois fonctionnent si bien que nous continuons à les utiliser aujourd'hui pour faire des choses comme lancer un satellite ou faire atterrir un avion. Et ces lois reposent toutes sur une idée fondamentale: l'espace est réel. Même si on ne peut pas le voir, ni le sentir, ni le toucher, l'espace est suffisamment réel pour servir de repère à certains types de mouvements, comme la patineuse. Newton dirait que quand elle fait une pirouette, ses bras sont entraînés vers l'extérieur parce qu'elle tourne par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'espace. Les philosophes s'interrogeaient depuis très longtemps sur la nature de l'espace. Newton a modifié les termes du débat, et c'est ainsi qu'est née la science moderne. La scène de Newton a connu un immense succès. Elle est restée sous les feux des projecteurs pendant plus de 200 ans. Mais dans les premières décennies du XXe siècle, de nouvelles idées sont apparues qui ont ébranlé la scène de Newton jusque dans ses fondements. Des idées avancées par un jeune employé de l'Office suisse des brevets, son nom, Albert Einstein. Einstein a grandi à la fin du 19e siècle, alors que l'ère de l'électricité commençait. L'énergie électrique a illuminé les villes, donnant naissance à toutes sortes de technologies que Newton n'aurait jamais pu imaginer. Toutes ces avancées s'appuyaient sur un phénomène qui captivait Einstein depuis l'enfance. La lumière. Pas les ampoules des réverbères, mais la nature même de la lumière. Et c'est sa fascination pour une caractéristique particulièrement étrange de la lumière, sa vitesse, qui l'a conduit à remettre en cause la conception newtonienne de l'espace. Pour voir comment, allons faire un tour. En ce moment, nous roulons à environ 30 km à l'heure. Pour aller plus vite, il suffit de demander au chauffeur d'appuyer sur l'accélérateur. Et la vitesse du taxi change. On peut ressentir ce changement, mais on peut aussi le voir sur le compteur de vitesse ou sur le panneau d'affichage d'un radar. Ok, vous pouvez ralentir. Maintenant, imaginez qu'on dispose d'un radar qui donne non pas la vitesse du taxi, mais la vitesse de la lumière émise par ses phares. Ce radar indiquerait que la lumière se déplace à la vitesse stupéfiante de 1 milliard 79 de kilomètres à l'heure. Quand le taxi accélère, on pourrait penser que la vitesse de la lumière des phares augmente dans les mêmes proportions. Après tout, on pourrait penser que le déplacement du taxi donnerait à celle-ci une impulsion supplémentaire. Or, curieusement, ce n'est pas le cas. Notre radar ou tout autre appareil établira toujours la vitesse de la lumière à 1 milliard 79 de kilomètres à l'heure, que le taxi avance ou non. Comment est-ce possible? Comment toutes les mesures de la vitesse de la lumière peuvent-elles être identiques? Si vous courez en direction d'un mur, il arrive vers vous plus vite que si vous restez immobile par rapport à lui. Ce n'est pas le cas de la lumière. Sa vitesse est la même pour tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Voici comment Einstein est parvenu à expliquer cet incroyable phénomène. Sachant que la vitesse est simplement la mesure de l'espace parcouru par un objet en un temps donné, il a proposé une idée réellement stupéfiante. L'espace et le temps sont liés. Ils s'ajustent constamment l'un par rapport à l'autre, si bien que, quelle que soit votre vitesse, quand vous mesurez la vitesse de la lumière, vous obtiendrez toujours 1 milliard 79 de kilomètres à l'heure. Pour respecter cette qualité absolue de la lumière, le temps devait cesser d'être absolu, et l'espace aussi. Tous deux devaient devenir relatifs, de manière à s'ajuster l'un à l'autre. Si la flexibilité de l'espace et du temps vous paraît étrange, c'est parce qu'on ne se déplace pas assez vite dans la vie quotidienne pour le voir. Mais si ce taxi pouvait s'approcher de la vitesse de la lumière, les effets deviendraient visibles.
Par exemple, si vous étiez dans la rue et que je passais devant vous presque à la vitesse de la lumière, l'espace se modifierait et mon taxi semblerait faire juste quelques centimètres de long. Et vous entendriez aussi le tic-tac de ma montre très ralenti. Mais de mon point de vue, à l'intérieur du taxi, le tic-tac de ma montre serait normal et l'espace dans l'habitacle garderait son apparence habituelle. Mais en regardant par le pare-brise, je verrais l'espace s'ajuster considérablement. Tout ça pour que la vitesse de la lumière reste constante. Avec Einstein, donc, le temps et l'espace ne sont plus rigides et absolus. Ils fusionnent avec le mouvement pour former une unique entité qu'on a appelée l'espace-temps. Dans notre vie quotidienne, nous vivons avec l'image newtonienne de l'espace et du temps. Nous sommes à l'aise avec ça. Einstein, lui, a placé la raison au-dessus de ce que nous indiquent nos sens. C'était ça, son génie. Cette unification de l'espace et du temps est pour moi la plus grande idée de toute l'histoire des sciences. Elle est tellement contraire à tout ce que nous ressentons en tant qu'êtres humains. Entre les mains d'Einstein, cette nouvelle vision de l'espace va résoudre un mystère qui touche à la force la plus familière du cosmos, la gravité. Newton savait que la gravité est une force qui attire les objets les uns vers les autres. Et ses lois précisaient la valeur de cette force avec une précision remarquable. Mais comment la gravité fonctionne-t-elle? Comment la Terre attire-t-elle la Lune à travers des centaines de milliers de kilomètres d'espace vide? Ces deux astres se comportent comme s'ils étaient attachés par une sorte de corde invisible. Or, tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Et les lois de Newton ne fournissent aucune explication. Einstein s'est rendu compte qu'aucune rustine ne pourrait réparer la théorie newtonienne. Il a dû inventer un mécanisme et comprendre ce phénomène. Après avoir réfléchi au problème pendant plus de 10 ans, Einstein est parvenu à une conclusion stupéfiante. Le secret de la gravité se cachait dans la nature de l'espace-temps. Ce dernier était encore plus flexible qu'il ne le pensait. Il pouvait s'étirer comme un tissu. C'était une rupture totale d'avec Newton. Imaginez que cette table de billard soit l'espace-temps et que ces boules soient des objets dans l'espace. Si l'espace-temps était bien plat, comme la surface de ce billard, les objets se déplaceraient en ligne droite. Mais si l'espace est comme un tissu qui peut s'étirer et se tordre, ça peut vous paraître un peu étrange. Mais regardez ce qui se passe si je pose quelque chose de lourd sur le tissu extensible de l'espace-temps. Maintenant, si je recommence mon coup, la boule se déplace le long d'une dépression créée dans le tissu par cet objet plus lourd. Einstein a compris que l'explication était là. La gravitation est la déformation de l'espace-temps occasionnée par les objets qui s'y trouvent. Autrement dit, elle est la forme même de l'espace-temps. La Lune reste en orbite non pas parce qu'elle est attirée vers la Terre par une force mystérieuse, mais plutôt parce qu'elle roule le long d'une courbure créée par la Terre dans le tissu de l'espace-temps. Pour Einstein, l'espace devient soudain non seulement réel, mais flexible. Le voilà qui acquiert des propriétés et une courbure, une sorte de géométrie flexible, presque comme une feuille de caoutchouc. C'est le début d'une toute nouvelle conception de la réalité qui décrit tout l'univers. Einstein devient Einstein grâce à cette observation. Alors que pour Newton, l'espace était passif, pour Einstein, il est dynamique. Il est intimement lié au temps et dicte la façon dont les objets se déplacent. Ainsi, après Einstein, l'espace ne peut plus être vu comme une scène statique. C'est un acteur et il joue un rôle majeur dans le spectacle cosmique.
On peut bien sûr concevoir l'espace comme une sorte de tissu dynamique, actif et flexible. Mais l'est-il réellement? Est-ce juste une métaphore ou cela décrit-il vraiment ce qu'est l'espace? Selon la théorie d'Einstein, on pourrait le savoir en partant pour un petit voyage jusqu'au bord d'un trou noir. Les trous noirs sont des étoiles effondrées, des objets massifs réduits à une fraction de leur taille d'origine. À proximité, la gravité est si forte que selon les équations d'Einstein, un trou noir en rotation pourrait littéralement entraîner l'espace dans son mouvement en le tordant comme un morceau d'étoffe. Le trou noir le plus proche se trouvant à des milliards de kilomètres, il est très difficile de vérifier cette prédiction. Mais à la fin des années 50, un physicien du nom de Leonard Schiff a commencé à réfléchir à une façon de le faire en allant beaucoup moins loin. Il s'est inspiré d'un objet généralement considéré comme un jouet pour enfants, un gyroscope. Schiff s'est dit que si l'espace se tordait réellement comme un tissu, un gyroscope pourrait permettre de détecter ce phénomène. C'était une idée étrange, et pour en faire part à d'autres, il a choisi un endroit tout aussi étrange. La piscine de l'université de Stanford. C'est là qu'en 1959, il a retrouvé deux de ses collègues, William Fairbank et Bob Cannon. Il leur a montré une publicité pour un gyroscope de pointe. Bien que d'aspect différent, il fonctionnait en gros comme les jouets pour enfants. Sur le champ, les trois hommes ont décidé de lancer un appareil de ce genre en orbite autour de la Terre. Normalement, l'axe d'un gyroscope pointe dans une direction fixe. Mais si la Terre entraîne l'espace dans son mouvement, l'axe du gyroscope devrait être entraîné avec lui, ce qui modifierait son orientation de manière mesurable. Le projet était d'une simplicité renversante. Toutefois, il y avait un hic. Les théories d'Einstein prédisaient que la rotation de la Terre ne provoquait qu'une infime déformation de l'espace. Si infime que tenter de la mesurer serait comme vouloir mesurer le diamètre d'une pièce de monnaie à 100 km de distance. Pendant plus de deux ans, les trois hommes ont cherché le moyen d'effectuer une telle mesure. Pour finir, ils ont décidé d'attacher quatre gyroscopes flottant librement à un télescope pointé vers une étoile lointaine. Si l'espace se tord, au bout d'un certain temps, les gyroscopes ne pointeront plus vers l'étoile, puisqu'ils seront pris dans la torsion de l'espace. En 1962, ils ont demandé une subvention à la NASA, environ 1 million de dollars, pour ce projet qui allait prendre le nom de Gravity Probe B. Ils pensaient que le projet prendrait 3 ans. Disons qu'ils étaient peut-être un peu trop optimistes. Avec une équipe qui a grossi au fil des ans, Gravity Probe B est devenue l'une des expériences les plus longues de l'histoire. Décennie après décennie, les chercheurs se sont évertués à concrétiser l'idée de départ, c'est-à-dire lancer un télescope dans l'espace et fabriquer des gyroscopes parmi les plus parfaits jamais créés. Le défi technique était effrayant. C'était comme une carotte qu'on agite devant un âne. On se disait toujours qu'on était à 5 ou 10 ans d'y arriver. Et on s'est dit ça pendant 35 ans. Courant sur plus de 40 ans pour un coût de 750 millions de dollars, le projet a failli être annulé par la NASA à 9 reprises. Enfin, en avril 2004, l'équipe se réunit pour observer le lancement. Sur les trois hommes à l'initiative du projet en 1959, un seul est encore en vie. Assister à ça a été palpitant. Vraiment extraordinaire. Tout s'est passé à merveille. Et pourtant, 10 000 trucs auraient pu foirer. Pendant plus d'un an, Gravity Probe B tourne autour de la Terre tandis que l'équipe surveille anxieusement ses moindres mouvements pour voir si notre planète va réellement déformer l'espace. Enfin, les données commencent à arriver. Mais il y a un problème. Les gyroscopes présentent une infime oscillation imprévue,
et corriger les données coûterait des millions de dollars. Les fonds sont presque épuisés et près d'un demi-siècle de travail semble réduit à néant. Puis, presque à la dernière minute, deux sources de financement supplémentaires surgissent. Le fils de William Fairbank, l'un des trois initiateurs du projet, fait un don. Et Turki Al-Saoud, membre de la famille royale saoudienne et diplômé de Stanford en aéronautique, accorde une grosse subvention. Au cours des deux années suivantes, le problème des données est résolu et on constate que l'axe des gyroscopes s'est déplacé d'un angle presque égal à celui prédit par les équations d'Einstein. Je crois que c'était la première fois qu'on pouvait observer l'effet prédit par Einstein à l'œil nu. Cette expérience offre la preuve la plus... jamais découverte que l'espace est bel et bien réel. C'est une entité physique pareille à un tissu. Après tout, si l'espace n'était rien, il n'y aurait rien à tordre. Mais en même temps qu'Albert Einstein étudiait l'espace à très grande échelle, un autre groupe de physiciens s'intéressait à l'univers à une échelle extrêmement petite. Et ils ont découvert un monde totalement inconnu où l'espace à la Einstein était introuvable. Pour voir de quoi je parle, imaginez que vous puissiez rapetisser à un milliardième de votre taille. Voici le monde des atomes et des particules subatomiques. Les briques élémentaires dont est constitué tout ce que nous voyons autour de nous. À cette échelle, le monde obéit à des règles totalement différentes, celles de la mécanique quantique. Selon ces règles, même si on essayait de supprimer jusqu'au dernier atome et jusqu'à la dernière particule, on constaterait que l'espace vide est encore loin d'être vide. En fait, il fourmille d'activité. Les particules ne cessent d'apparaître et de s'évanouir. Elles surgissent du vide, s'anéantissent mutuellement et disparaissent. En mécanique quantique, l'espace vide n'est pas si vide que ça. Il est rempli de champs fluctuants, de tas de choses qui s'agitent. C'est un endroit où les particules ne cessent de fluctuer et de s'anéantir mutuellement, d'être recréées puis de nouveau annihilées. C'est un lieu chaotique et bouillonnant. La théorie le prédisait, mais ce n'est qu'en 1948 qu'un physicien appelé Hendrik Casimir a émis l'idée que, même si on ne pouvait pas voir ces particules, elles devaient faire faire à l'espace vide une chose qui, elle, serait bien visible. Il a prédit que si on prenait deux plaques de métal ordinaires et qu'on les plaçait extrêmement près l'une de l'autre, plus près que l'épaisseur d'une feuille de papier, alors les particules dotées d'une certaine énergie se trouveraient exclues parce que, d'une certaine façon, elles ne tiendraient pas entre les plaques. Comme il y aura alors plus d'activité à l'extérieur des plaques qu'à l'intérieur, Hendrik Casimir a postulé que ces dernières seraient poussées l'une vers l'autre par ce qu'on considère généralement comme de l'espace vide. Quelques années plus tard, lorsque l'expérience a été réalisée, elle a donné raison à Casimir. Dans l'espace vide, les plaques sont poussées l'une vers l'autre. Ainsi, à l'échelle atomique, l'espace vide n'est pas vide. Il est le siège d'une telle activité qu'il peut forcer les objets à se déplacer. Aujourd'hui, la quête pour comprendre l'espace aux plus petites échelles se poursuit avec l'expérience scientifique la plus coûteuse de l'histoire. Voici le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève. Ici, à une centaine de mètres sous terre, le grand collisionneur de Hadron, ou LHC, est l'accélérateur de particules le plus puissant du monde.
D'un coup d'environ 10 milliards de dollars, il accélère les particules subatomiques jusqu'à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière et les projette les unes contre les autres. Dans la pluie de débris issus de ces collisions, les chercheurs ont découvert tout un ensemble de particules étranges et exotiques. Actuellement, ils traquent l'une des plus insaisissables. Une particule dont on pense qu'elle est essentielle pour tout façonner, depuis les atomes dont notre corps est fait, jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Si on la trouve, elle redéfinira notre vision de l'univers et marquera la fin d'une quête entamée il y a près de 50 ans. Tout commence en 1964, quand un jeune physicien anglais du nom de Peter Higgs fait sur l'espace une hypothèse si révolutionnaire qu'elle manque de ruiner sa carrière. On m'a dit que je racontais des âneries, que je ne pouvais pas avoir raison. On ne me comprenait pas. Peter Higgs et d'autres physiciens se débattent avec l'énigme suivante. Les particules fondamentales de l'univers ont toute une masse différente, ce qu'on assimile généralement au poids. Sans masse, ces particules ne pourraient pas se combiner pour former les atomes qui constituent tout ce que nous voyons autour de nous. Mais qu'est-ce qui crée la masse? Et pourquoi des particules différentes ont-elles des masses différentes? Personne n'a encore pu répondre à cette question. Puis, un week-end, après une promenade dans les environs d'Édimbourg, Peter Higgs a une curieuse idée. À l'aide des mathématiques, il conçoit une nouvelle vision de l'espace comme une sorte d'océan. Les particules sont immergées dans cet océan et acquièrent leur masse en se déplaçant à travers lui. Pour mieux comprendre, imaginez que la masse d'une particule soit la célébrité d'un acteur. L'océan de Higgs, ce sont les paparazzi. Certaines particules, les acteurs inconnus, passent sans encombre. Les paparazzi ne s'intéressent pas à eux. Mais d'autres particules, les stars, doivent se frayer un passage. Plus ces particules ont du mal à passer, plus elles interagissent avec l'océan et plus elles acquièrent de la masse. Higgs est convaincu qu'il a fait une formidable découverte. Il tente de publier un article dans un périodique du CERN, mais son papier est rejeté. Il ne se laisse pas décourager et peaufine sa théorie jusqu'à ce qu'on lui offre l'occasion de la présenter à l'Institute for Advanced Study à Princeton, où travaillait Einstein. Là, il s'attend à susciter les plus virulentes critiques. Je conduisais tranquillement, mais quand j'ai vu le panneau annonçant l'embranchement pour Princeton, j'ai réalisé ce qui m'attendait. Je me suis mis à transpirer et à trembler, et j'ai dû m'arrêter au bord de la route pour reprendre mes esprits. Pourtant, il persévère. Cette conférence est la première d'une série qui va convaincre ses collègues à travers le monde qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Je les ai eus à l'usure, et j'ai eu l'impression de triompher. J'ai apprécié toutes les réceptions qui ont suivi. Aujourd'hui, son idée qu'on appelle le champ de Higgs est cruciale pour notre compréhension de l'espace. Le champ de Higgs est partout. Il a un effet même sur le vide le plus vide de l'espace. Il vous donne votre masse. Le mérite de Higgs est d'avoir déclaré avec d'autres que l'espace possède des propriétés intrinsèques dont on ne peut pas se débarrasser et qu'on ne peut pas ignorer. Seul problème, il n'y a aucune preuve physique de l'existence du champ de Higgs. Du moins pas encore. Mais au CERN, les chercheurs essaient de faire entrer des particules en collision avec suffisamment d'énergie pour qu'elles délogent un morceau du champ de Higgs, le transformant en une particule minuscule. C'est un peu comme s'il tentait d'arracher à l'espace un petit bout de lui-même.
L'idée est que si on tape dans l'espace assez fort grâce au LHC, on pourra faire sortir du vide une particule de Higgs. Notre conception actuelle de la matière s'écroulerait si le champ de Higgs n'existait pas. Personne ne doute qu'on le verra un jour. Si on ne le voit pas, ce serait extrêmement bizarre. Trouver la particule de Higgs constituerait un tournant majeur, établissant que le plus vide des espaces vides exerce un impact sur toute la matière. Mais il se trouve que l'espace contient un ingrédient bien plus insaisissable que tout ce que Higgs a jamais pu imaginer. Un ingrédient qui pourrait détenir la clé du plus grand de tous les mystères, l'avenir du cosmos. Ce mystère est né il y a quelque 14 milliards d'années dans ce qu'on appelle le Big Bang. En une fraction de seconde, l'univers a connu une violente expansion, faisant littéralement exploser l'espace. Depuis, l'univers continue de s'étendre. Pendant des dizaines d'années, la plupart des chercheurs ont pensé que cette expansion devait ralentir en raison de l'effet exercé par la gravité. Si je lance une pomme en l'air, l'attraction terrestre finit par l'arrêter et la fait redescendre. De même que la pomme ralentit avec le temps, l'univers aurait dû voir son expansion se ralentir à cause de l'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre toutes les parcelles de matière et d'énergie. Mais cela soulève une question. Quel est le destin du cosmos? Son expansion se poursuivra-t-elle indéfiniment ou la gravité finira-t-elle par l'interrompre et provoquer un mouvement en sens inverse, une contraction qu'on appelle le Big Crunch? Pour le savoir, deux équipes d'astronomes entreprennent alors de mesurer le ralentissement de l'expansion à l'aide d'un nouvel outil, les supernovae, des étoiles qui explosent. Une supernova est une étoile qui meurt dans une explosion massive. Elle est extrêmement lumineuse et peut-être aussi éclatante qu'un milliard de soleils. L'intérêt, c'est qu'elles sont très semblables quand elles explosent. Elles acquièrent la même luminosité, puis s'éteignent à peu près de la même façon. Des explosions aussi éclatantes et uniformes devraient faire office de balises cosmiques ultra précises. Ce qui permettra de calculer le ralentissement de l'expansion de l'univers au fil du temps. Malheureusement, les supernovae sont extrêmement rares. Pour en trouver suffisamment, Saul Perlmutter a passé des années à appeler des astronomes aux quatre coins du globe pour solliciter leur aide. Il nous fallait les plus grands télescopes du monde et des conditions parfaites. Quand les conditions étaient idéales, j'appelais les gens au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en plein travail, et je leur disais « Je sais que vous avez un planning chargé, mais si vous pouviez y glisser 30 minutes d'observation pour nous, ça nous serait très utile. » Quand les deux équipes obtiennent enfin assez de données pour calculer de combien la gravité ralentit l'expansion de l'univers, une surprise les attend. Les résultats étaient étranges. Ils ne montraient aucun ralentissement. Au contraire, ça s'accélérait. C'était comme si l'espace, qu'on pensait n'être rien, possédait en fait une élasticité intrinsèque et ne voulait pas être comprimé, mais voulait dilater l'univers. C'était comme si l'expansion de l'univers devenait de plus en plus rapide, qu'elle s'accélérait au lieu de décélérer. Ma première réaction a été « Je dois comprendre d'où vient l'erreur, ça ne peut pas être vrai. » Et pourtant, ça l'est. La plupart des chercheurs s'accordent alors sur une explication. Il existe quelque chose qui emplit l'espace et neutralise l'effet de la gravité en faisant s'éloigner les galaxies les unes des autres et en étirant le tissu même du cosmos. Cette substance mystérieuse a été baptisée l'énergie noire. Elle a totalement bouleversé notre conception de l'univers. Sur les distances les plus immenses, l'énergie noire domine le contenu de l'univers. Et on ignore de quoi il s'agit.
Si on fait une sorte de recensement de toute l'énergie présente dans l'univers, il s'avère que l'énergie noire en représente environ 70%. Et jusqu'à il y a 10 ans, personne ne connaissait même son existence. Donc, en quelque sorte, le poids de l'espace vide constitue 70% du poids de tout l'univers. C'est à peu près le pourcentage de la surface terrestre occupée par les océans. C'est donc un peu comme si nous ne savions pas ce qu'est l'eau. Voilà où nous en sommes avec l'énergie noire. On ne sait absolument pas comment l'expliquer. De toutes les grandes théories élaborées ces 100 dernières années, la mécanique quantique, la relativité, la physique des particules, aucune n'est capable d'expliquer l'énergie noire. Et la découverte de l'énergie noire renferme une autre surprise. L'idée que l'univers contient un tel ingrédient n'a rien de nouveau. Quelqu'un l'a déjà eu il y a 80 ans. Je vais vous confier un petit secret. Bien qu'il ne l'ait pas appelé énergie noire, il y a longtemps, Albert Einstein avait prédit que l'espace lui-même pouvait exercer une force qui ferait s'éloigner les galaxies. En effet, peu après avoir établi sa théorie de la relativité générale, sa théorie de la gravitation, Einstein a découvert que, d'après ses équations, l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction, mais qu'il ne pouvait pas être stationnaire. La chose avait de quoi surprendre, car avant la découverte du Big Bang, la plupart des physiciens, y compris Einstein, voyaient l'univers comme statique, éternel et immuable. Donc, quand les équations d'Einstein ont suggéré que l'univers était soit en expansion, soit en contraction, le physicien s'est trouvé face à un problème. Il a donc repris ses équations et les a modifiées, en y intégrant une sorte d'antigravité qui pousserait l'espace vers l'extérieur pour compenser l'attraction de la gravité afin de permettre à l'univers de rester inchangé. Il a appelé cette modification la constante cosmologique. Avec l'ajout de la constante cosmologique, Einstein sauvait ses équations. Mais en réalité, il ignorait si cette antigravité existait vraiment. L'introduction de la constante cosmologique n'était pas une solution très élégante pour obtenir ce qu'il voulait, à savoir un univers stationnaire. Elle accomplit cet effet d'antigravité en faisant en sorte que les choses, au lieu de se rapprocher, s'éloignent. Comme un combat entre deux titans, la constante cosmologique et l'attraction de la matière ordinaire permettent de garder l'univers statique. Cependant, une dizaine d'années plus tard, l'astronome Edwin Hubble découvre que l'univers n'est pas statique. Il est en expansion à cause de la force explosive du Big Bang il y a 14 milliards d'années. Cela signifie que les équations d'Einstein n'ont plus besoin d'être modifiées. Et soudain, la nécessité d'une constante cosmologique a volé en éclats. Merci. De rien. Einstein a déclaré que c'était sa plus grosse erreur. Mais il y a un truc. Depuis qu'on a découvert que l'expansion de l'univers s'accélère, les chercheurs sont convaincus qu'il y a bien quelque chose dans l'espace qui fait s'éloigner les choses. Et 70 ans plus tard, la plus grosse erreur d'Einstein pourrait être en fait l'une de ses idées les plus géniales. Personne d'autre n'y avait pensé, mais il se peut que la constante cosmologique d'Einstein soit la clé pour comprendre l'expansion de l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Même si personne ne sait ce qu'est réellement l'énergie noire, ce concept soulève une possibilité troublante. Einstein imaginait la force de son antigravité comme une constante. Mais la force de l'énergie noire est-elle constante ou change-t-elle au fil du temps? La réponse pourrait révolutionner tout ce que nous pensions savoir sur le destin du cosmos. Pour le moment, tout dans notre monde, des molécules qui composent mon corps à celles qui constituent la Lune, est maintenu ensemble par des forces qui s'opposent à la force d'expansion de l'énergie noire. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas les choses se dilater dans la vie quotidienne. Mais cette situation pourrait ne pas durer toujours.
Selon un scénario, l'énergie noire continuera à faire s'éloigner les galaxies les unes des autres jusqu'à ce que, pour finir, elle s'éloigne tellement que l'univers deviendra froid, noir et désolé. Selon un autre scénario, la force de l'énergie noire pourrait augmenter avec le temps et devenir si puissante qu'elle déchirerait tout ce qu'il y a à l'intérieur des galaxies, aussi bien les étoiles que les planètes et la matière sous toutes ses formes. Si l'énergie noire s'accroît avec le temps, même les atomes finiront par se disloquer quand il y aura suffisamment d'énergie noire entre le noyau et les électrons pour faire voler l'espace en éclats. Un big rip. Notre conception de l'espace a connu une incroyable évolution. À l'époque de Newton, l'espace n'était qu'un contenant. Il ne faisait rien. Avec Einstein, il a commencé à influer sur le déplacement des objets. Ensuite, avec Casimir, les objets ont pu être littéralement poussés par l'activité qui se déploie dans l'espace vide. Et aujourd'hui, avec les idées de Higgs et l'énergie noire, l'expansion de l'univers pourrait être due à l'énergie même de l'espace vide. Je pense que personne n'aurait pu croire que l'espace aurait un impact aussi riche et aussi profond sur la nature de la réalité. Malgré toutes ces avancées, le voyage entamé avec la vision newtonienne de l'espace comme une sorte de scène figée n'est pas terminé. En étudiant plus attentivement la structure du cosmos, on pourrait y trouver des surprises bien plus nombreuses que quiconque aurait pu imaginer. Tenez, moi par exemple, je parais bien réel, n'est-ce pas? Oui, mais de nouveaux indices surprenants semblent indiquer que tout, vous et moi, et même l'espace, pourrait être en fait une sorte d'hologramme. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons et ressentons, tout ce que nous appelons notre réalité tridimensionnelle familière, pourrait être une projection d'informations stockées sur une fine surface bidimensionnelle très lointaine. Un peu comme les informations de cet hologramme sont stockées sur cette fine feuille de plastique. Les hologrammes sont quelque chose que nous connaissons tous. Ils sont utilisés comme dispositifs de sécurité sur nos cartes de crédit. Mais l'univers, un hologramme, c'est sans doute la remise en question la plus incroyable jamais proposée de notre vision de l'espace et de la réalité. Et cette idée s'inspire de certains des objets les plus étranges de l'espace, les trous noirs. C'est une vraie rupture et c'est très difficile à appréhender. Les données livrées par les trous noirs indiquent que la réalité est bidimensionnelle, que le monde tridimensionnel est une sorte d'image d'un hologramme situé à la frontière de l'espace. C'est très étrange. Plus jeune, j'aurais pensé que seul un fou pouvait émettre pareille idée. Voici comment on peut se représenter la chose. Imaginez que je prenne mon portefeuille et que je le lance dans un trou noir. Que se passerait-il? Avant, on pensait que puisque rien, même la lumière, ne peut échapper à la gravité d'un trou noir, mon portefeuille serait perdu à jamais. Mais il semble à présent que c'est peut-être plus compliqué que ça. Récemment, en étudiant les équations mathématiques qui décrivent les trous noirs, on a fait une curieuse découverte. Lorsque mon portefeuille disparaît dans le trou noir, il semble qu'une copie de toutes les informations qu'il contient soit étalée et stockée à la surface du trou noir, un peu comme les données enregistrées dans un ordinateur. Ainsi, au final,
Mon portefeuille existe en deux endroits. Il y a une version tridimensionnelle qui est perdue à jamais à l'intérieur du trou noir et une version bidimensionnelle qui reste à la surface sous forme d'informations. Le contenu informationnel, tout ce qui est tombé dans le trou noir, peut être intégralement exprimé sur la surface extérieure du trou noir. L'idée est donc qu'on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur rien qu'en se référant à l'extérieur. En théorie, je pourrais utiliser les informations qui sont à l'extérieur du trou noir pour reconstituer mon portefeuille. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant. L'espace à l'intérieur d'un trou noir obéit aux mêmes règles que l'espace à l'extérieur d'un trou noir ou partout ailleurs. Donc, si on peut décrire un objet situé à l'intérieur d'un trou noir grâce aux informations stockées à la surface, il se pourrait que tout dans l'univers, les galaxies, les étoiles, vous et moi, et même l'espace, ne soit qu'une projection des informations stockées sur une lointaine surface bidimensionnelle qui nous entoure. Autrement dit, ce que nous prenons pour la réalité pourrait être une sorte d'hologramme. Le monde tridimensionnel est-il une illusion? De la même façon qu'un hologramme est une illusion. Peut-être. Je suis enclin à penser que oui, que le monde tridimensionnel est une sorte d'illusion et que la vraie réalité est la réalité bidimensionnelle à la surface de l'univers. Cette idée est si nouvelle que les physiciens en sont encore à essayer de la comprendre. Mais si elle est exacte, de même que Newton et Einstein ont transformé notre vision de l'espace, nous pourrions être à l'aube d'une révolution encore plus extraordinaire. Pour un élément aussi essentiel de notre vie quotidienne, il est partout autour de nous, mais nous sommes encore loin d'avoir découvert sa véritable identité. Ça prendra peut-être 100 ans, ou 1000 ans, ou ça pourrait... Mais quand on a résolu ce mystère, on aura fait un pas de géant pour comprendre vraiment la structure du cosmos. Au revoir Brian, et à la semaine prochaine. Avec vous, comprendre la physique quantique sera un jeu d'enfant. Mais pour l'heure, retour sur Terre. À Essaouira, au Maroc, la splendeur d'antan est loin, et les pêcheurs peinent à survivre.